Les agents départementaux assurent l'entretien, la restauration et l'aménagement des espaces naturels du territoire. Les périodes de mars à avril et d'octobre à novembre sont propices à des interventions en rivière, telles que les plantations ou le bouturage, afin de densifier des bois de berge ou de renforcer des berges contre l'érosion. Nous sommes ici au bord de la piste cyclable qui relie Andelnans à Danjoutin, au bord de la Savoureuse, et on est en train de faire du prélèvement de saules pour réaliser donc semaine prochaine technique de protection de berge en génie végétal. On va donc réaliser un tressage sur un linéaire de 55 mètres en bord de berge où on a une problématique d'érosion de berge. Actuellement, donc, on est trois agents ici sur le site pour faire donc du prélèvement de matière première, la matière vivante, puisqu'on va utiliser du saule. Donc on va préparer des pieux, des boutures et également des grandes perches pour faire du tressage. Donc le gros avantage du saule, c'est ici que c'est gratuit, on va dire, puisqu'on vient le prélever au bord de rivière. Et le gros avantage, c'est qu'il a un pouvoir de se réenraciner. En fait, ce saule, quand on va le travailler et qu'on va venir le mettre en contact avec la terre, soit planté, soit au niveau des perches qu'on va tresser, comme une fois que la terre sera en contact avec ce saule va se réenraciner naturellement pour recréer après une barrière végétale naturelle. Voilà, c'est une technique, ce qu'on appelle de génie végétal, en opposition à un enrochement de berge, par exemple minérale.